Shalom, shalom, que le Seigneur puisse vous bénir. Aujourd'hui, nous sommes en contact avec notre frère Camara. Alors, le frère Camara est revenu, il est revenu. On va faire un débat avec le frère Camara. Ça fait quelques 3 semaines qu'on avait débattu avec lui sur beaucoup de sujets sur l'islam, sur le christianisme, la doctrine du Christ. Maintenant, il est revenu aujourd'hui avec force de taille pour qu'il puisse venir nous exposer donc la vérité sur l'islam, la vérité sur les religions que nous avons. C'est ainsi que nous allons passer maintenant le micro à notre bien-aimé, le frère Mohamed Camara. À vous le micro, mon frère Camara. Merci, pasteur Louis, de lui. De me donner encore une fois de plus la parole. En fait, c'est ce que je t'ai dit au PV, que on est là dans ce monde-là, on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps de vivre. Je veux dire que personne ou moins de personnes parmi nous aujourd'hui qui gagnent 150 ans. Et quand on analyse l'âge de moi et toi, on a plus 20 ans maintenant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on doit passer par les choses sérieuses, au lieu de passer toute notre vie avec la passion, en regardant la vérité, afin de négliger la vérité. Donc, pour une dernière fois, peut-être, à mon avis, que on va discuter sur la parole de Dieu, parce que Allah a dit dans le Coran que nulle contrainte à la religion, car le bon chemin et le mauvais chemin sont distingués de l'égarement. Donc, en cela, il a raison, parce que tout un chacun d'entre nous ici a un cerveau de réfléchir. Moi, je ne suis pas musulman parce que mes parents sont musulmans. Je suis musulman parce que j'ai fait la recherche et j'ai trouvé que c'est la religion musulmane qui est la religion qu'on doit suivre. La religion musulmane, beaucoup de personnes ont la tendance de penser que ça a commencé par Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui. Détrompez-vous. La religion musulmane est égale, ça veut dire soumission à la volonté de l'Éternel. Donc, soumission à la volonté de l'Éternel, quand tu es soumis à un Éternel, ça veut dire que tu es musulman. À ce point, on peut dire que Jésus-Christ était musulman. Également, Moïse était musulman, Abraham était musulman, parce qu'ils étaient tous soumis de l'Éternel. On va pas employer le mot Allah forcément ici, parce que quand tu parles avec quelqu'un, il est très important aussi de respecter ton interlocuteur. Si lui, il ne reconnaît pas que son Dieu s'appelle Allah, mais quand même, il y a un nom. Donc, supposons qu'on l'appelle l'Éternel. Donc, si tous ces messagers-là sont soumis à l'Éternel, ils sont musulmans. Pour conclure ma parole, avant de te donner la parole, moi, face à un chrétien, j'ai pas trop le courage de passer beaucoup de temps à discuter sur la divinité de Jésus-Christ ou de Allah. Pourquoi? Parce que dans le livre de foi des musulmans, le Dieu des musulmans, ou le Dieu normalement qu'on doit adorer, il a dit, c'est moi le Dieu. Il a dit son nom, le créateur des cieux et de la terre. Il a dit également que si tu n'es pas d'accord de ma divinité, tu peux laisser la terre. Donc, quand moi je vois un Dieu qui parle comme ça, et un Dieu qui dit que il est un envoyé de Dieu, alors qu'il est Dieu, je peux dire que ce Dieu est un Dieu menteur. Donc, si Jésus-Christ dit qu'il est un envoyé de Dieu, alors que vraiment, en vrai de vrai, il n'est pas un envoyé de Dieu, c'est lui-même qui est Dieu, c'est un Dieu qui ment. Alors, normalement, le Dieu créateur des cieux et de la terre ont la tendance normalement de savoir quand est-ce que le monde finit, à mon avis. Mais le Dieu des chrétiens ne sait pas quand est-ce que le monde finit. Marc 13, 39, on a demandé Jésus-Christ quand est-ce que le monde finit. Il dit, pour ce qui est la fin du monde, ni le Fils, ni le Père, et ni le Fils, ni les anges, le Père seul qui connaît. Donc, tu peux pas créer ton monde et puis tu connais pas quand est-ce que ce monde-là finit. Donc, il n'est pas vraiment Dieu. Et c'est ça qui prouve que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais vous, les chrétiens, vous pouvez mettre l'étiquette de divinité à Jésus.
Ça, ce n'est pas un problème, c'est votre choix, en fait. Mais est-ce qu'il a dit qu'il est Dieu? Honnêtement, il n'a pas dit qu'il est Dieu. Mais est-ce qu'il a dit aussi qu'il n'est pas Dieu? Bah oui, il n'a pas dit non plus qu'il n'est pas Dieu. Qu'a-t-il dit de lui? Il a dit qu'il est un envoyé de Dieu. Alors, je pense que c'est quelqu'un, il n'est pas un menteur, c'est un véridique. Donc, il est un envoyé de Dieu. Donc, en cela, je te donne maintenant la parole. Ok, merci beaucoup pour votre introduction. Ce que nous avons toujours dit, nous prêchons la parole de Dieu et nous donnons aussi les Écritures. Lorsque nous disons que Jésus est Dieu, on avait débattu l'autre fois, j'avais donné des versets. Alors, je n'aime pas donner les mêmes versets puisque j'ai une litanie des versets bibliques à donner pour prouver que Jésus-Christ est Dieu. J'avais donné une écriture. Hein? Puis je vais prêcher, amener Jésus-Christ de la première venue, le ramener jusqu'à l'arc-en-ciel horizontal. Hein? Ça veut dire que nous prêchons Jésus dans toute la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, donc en long et en large. Sur le plan vertical, sur le plan horizontal, nous parlons de Jésus. Je vais donner un exemple. Hein, puisque lorsque on parle de la divinité de Jésus, nous nous disons que c'est Dieu lui-même qui était venu sous la forme humaine. C'était Dieu qui s'est rabaissé. La Bible dit qu'il s'est humilié. Il s'est humilié. Je vais donner donc une écriture dans Malachie au chapitre 3. Hein, puisque tout ce que nous disons, nous devons le prouver à la lumière des Écritures pour vous montrer aux gens que nous n'inventons rien. Nous sommes dans le livre du prophète Malachie. Malachie au chapitre 3. Dans la version, j'aime lire la version de Louis II. C'est un bon français. Puisqu'il y a des français là, des Bibles en français courant, d'autres en anglais, tout ça. Donc, on a essayé de mettre ça donc, dans des langues contemporaines. Pour les gens qui ne parlent pas français, on met en anglais, on met en latin. Il y a plusieurs versions de langues pour faciliter les gens. Nous sommes dans Malachie au chapitre 3. Malachie au chapitre 3, au verset 1. C'est une belle écriture qui illustre la mission de Jésus. On dit ceci: Voici, j'enverrai mon messager. C'est Dieu qui parle. Il a dit qu'il va envoyer son messager. Et son messager, là, c'était Jean-Baptiste. Dans Malachie au chapitre 3. Et puis, il continue, il ne s'arrête pas là. Il dit, il préparera le chemin devant moi. Donc, Jean est venu préparer le chemin de Dieu. Donc, Jean est venu préparer le chemin de Dieu. Maintenant, lorsque Jean a terminé, on a vu Dieu qui est venu, mais c'était Jésus. Au lieu de voir Dieu, on a vu Jésus. Puisque Jean a été envoyé pour préparer le chemin devant moi. Et puis, la Bible continue. J'enverrai mon messager. Et il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. On dit que lorsque Jean va terminer sa mission, le Seigneur va entrer dans le temple. Qui était entré dans le temple après la mission de Jésus? Après la mission de Jean-Baptiste, qui était entré dans le temple? Et puis on continue, on dit, et le messager de l'Alliance. Et remarquez ici, on nous parle, il y a deux messagers. Il y a un messager ici, et puis il y a un autre messager ici. Donc, il y a un messager, et puis il y a un messager de l'Alliance. Le Le messager roi. de l'Alliance, c'est qui? Alors, Le roi. oui. Écoute-moi très bien. Oui. Écoute très bien et très attentivement ma question. Hein. Oui. Je ne suis pas là pour se faire montrer. C'est ce que je t'ai dit en PV. Je suis là Oui. pour te faire comprendre. Tu n'es pas obligé de me croire. Je suis pas obligé de te croire. Mais Oui. la vérité reste toujours la vérité. Je répète, j'ai dit
Ton Dieu qui est Jésus, est-ce que lui, il a dit une fois dans la Bible qu'il est Dieu, que c'est lui qui a créé la terre et les cieux, et c'est lui, on doit l'adorer. Est-ce qu'il a dit ça? Ok, c'est la question. Attends, je continue et je vais te montrer ça. Je vais te montrer ça. Maintenant, partant de Le roi, Malachie, le roi, le roi. oui. Allons-y au droit au but. Est-ce que Oui. Jésus-Christ a-t-il déclaré qu'il est Dieu et qu'on doit les adorer et que c'est lui qui a créé le monde entier? Attention. Attention avec ce que tu dis. Jésus a dit ça. Alors il faut mettre ça dans une phrase. Il ne faut pas disséquer la phrase. Tu cherches à savoir Jésus qui est Dieu. Maintenant, si tu commences à me dire, peut-être qu'il a créé la terre, les cieux, les montagnes, tout ça. Si tu commences à décrire ça, c'est autre chose. Maintenant, je t'informe d'emblée que Jésus a tout fait. Il a fait tout ça. Le roi, Oui. est-ce que Jésus-Christ a-t-il dit qu'il est Dieu et que c'est lui qu'on doit l'adorer? Ah oui, attends, arrête-toi là, je te donne le verset. Non, mais attends d'abord. Je te C'est donne le pourquoi verset. j'ai pas trop envie de discuter avec vous parce que en fait tu n'es pas, on va dire, j'ai du mal à savoir est-ce que tu comprends vraiment le français alors que tu comprends le français. Bon, la réponse est que tu fais semblant. Une dernière fois, est-ce que ton Dieu a-t-il dit que lui, il est Dieu et que tout le Oui. monde doit lui adorer? Oui. Il a dit ça dans quel verset? OK. Alors, comme tu m'as interrompu là, je faisais une démonstration. Allons dans le livre de Apocalypse. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 21. Au verset 7, Apocalypse 21, 7, il dit ceci, Jésus qui lui dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est Jésus qui parle là de sa divinité. Le verset est là, toute crue. Jésus lui-même, il dit, celui qui vaincra, je serai son Dieu et il sera mon fils. Il y a beaucoup de versets là où Jésus a dit ça. Donc, ça, le verset que tu me donnes là, dans l'Apocalypse, c'est ce qui dit que Jésus-Christ a dit qu'il est Dieu et que c'est Oui. lui, on doit l'adorer. Oui. D'accord. Merci pour la réponse. Je ne suis pas là pour te faire convaincre, peut-être les gens qui vont regarder la vidéo, ils seront orientés. Ma deuxième question est de savoir, Oui. est-ce que Jésus est-il la mère? Est-ce que Marie est-il la mère de Jésus-Christ? Marie est une mère de Jésus. Est-ce que Dieu a une mère? Non. Jésus-Christ est le fils de Marie. Oui. Mais Jésus-Christ est Dieu. Oui. Mais Dieu n'est pas de mère. Oui. OK, ma question est répondue. Je suis satisfait maintenant. Une troisième question. Est-ce que... Attends. Tu m'as posé la question. Je ne sais pas si tu as entendu. J'ai dit, Jésus a une mère. Une de ses mamans s'appelle Marie. Puis Jésus a dit que qui est ma mère? Qui est mon frère? C'est tout celui qui fait ma volonté. Alors si tu demandes, est-ce que Marie est la mère de Jésus? Oui. C'est aussi une écriture. Attends. Attends, il faut aller doucement puisque tu es en train de parler à moi. Tu sais comment est-ce que moi j'enseigne? Moi, je ne réponds pas comme tout le monde. Nous sommes très différemment créés. Je vais te montrer une écriture. Hein? Non, mais ne Écoutez. me montre pas l'écriture là, j'ai pas besoin. Matthieu 12, 50. Jésus J'ai dit, pas besoin. car J'ai pas besoin. quiconque fait
Quiconque fait la volonté de J'ai mon pas Père, besoin, j'ai pas besoin. Je vais pas qu'on celui-là discute qui est aujourd'hui. mon Écoute-moi. frère, ma soeur et ma mère. Si tu fais la Écoute. volonté de Jésus, tu es la mère Écoute. de Jésus. Donc Marie était Écoute-moi. la mère de Jésus. OK. C'est Marie qui l'a mis au monde ou c'est qui a mis? Écoutez, Jésus a dit ceci. Celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Donc Le Marie, roi. elle est aussi la mère de Jésus. Le roi. Oui. Est-ce que c'est Marie qui a mis Jésus au monde? Oui. Est-ce qu'elle est son fils? Est-ce que Jésus est son fils? Mais je t'ai répondu. Écoutez, mon frère, l'autre fois, tu m'as dit que je ne répondais pas aux questions. Est-ce que tu ne m'as pas posé cette question? Je viens de te répondre. Comment Mais est-ce que tu tu dis peux que, reposer, OK, je comprends. Bon, comment tu maintenant, peux Jésus, je suis reposer satisfait. encore Tournons une maintenant. fois la même question? OK, je te comprends. Je vais plus poser la question là maintenant. On comprend que Marie est la mère de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le fils de Marie, mais Dieu n'a pas de mère et Jésus-Christ est Dieu. OK, mon autre question, est-ce que Dieu, le créateur des cieux et de la terre que toi tu adores, est-ce qu'il connaît toutes choses? Amen. Tu demandes si Jésus connaît toutes choses. Je dis oui, Jésus Non, connaît toutes non, choses. non, 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 j'ai pas dit Jésus connaît toutes choses. J'ai dit, est-ce que ton Dieu connaît toutes choses? Amen. Jésus connaît toutes choses. Tu sais, moi, je ne parle pas. Je parle avec des versets bibliques. Hein. Je vais te montrer que Jésus connaît toutes choses. Nous sommes dans Jean au chapitre 16. Je vais te montrer que Jésus connaît toutes choses. Mon frère, moi, écoutez, Jean chapitre 16, verset 30, on dit, maintenant nous savons que tu sais toutes choses. Jésus connaît toutes choses. C'est l'Écriture, on dit, Jésus connaît toutes choses. Jean 16, 30. Tu vois? C'est comme ça Il qu'on connaît toutes parle. choses. Tu dis quoi? Il connaît toutes choses, hein? Oui. OK. Pourquoi il a dit qu'il ne sait pas quand est-ce que le monde finit? Non, Jésus, attention. Jésus n'a pas dit qu'il ne connaît pas quand est-ce que le monde finit. Il a dit quoi? Mon frère, c'est toi qui poses la question. Je te dis, montre-moi l'écriture là où Jésus dit que je ne connais pas quand le monde finit. OK. Écoutez, tu sais, je t'avais dit que moi, je suis un enseignant, un pédagogue, et dans le monde, nous ne sommes qu'à cinq. Les gens qui répondent comme ça, les gens qui répondent du tic au tac, qui répondent comme ça, ils ne sont qu'à cinq. En Afrique, nous sommes à peu près trois personnes, des gens qui peuvent te répondre avec des écritures comme ça. Puisque Jésus parle souvent en parabole, il peut parler comme s'il parlait d'une autre personne au moment où il parle de lui-même. Au moment où il parle de son père, mais il dit que, tandis qu'il parle de lui-même. Écoutez, c'est pour cela qu'on dit que Jésus parlait en parabole. C'est même cette écriture aussi. Voyez-vous, Jean au chapitre 16, au verset 29, on dit, ses disciples lui dirent, voici maintenant tu parles ouvertement, tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais deux choses. Lorsqu'il parlait, il se disait, peut-être qu'il ne connaît pas toutes choses. Maintenant, si Jésus parle ouvertement, vous voyez qu'il connaît toutes choses. Jésus connaît toutes choses. Et puis, écoute, moi, j'ai donné, moi, tu sais comment est-ce que la Bible nous a dit de donner deux ou trois témoignages. Je vais te donner un autre témoignage du même Jésus. Oui. Le roi, Oui. lis-moi Matthieu 24, verset 36. Oui, je vais y aller. Je voulais d'abord te montrer quelque chose. Jean 21, au verset 17, on dit ceci. C'est Pierre qui dit, Seigneur, tu sais toutes Le choses. roi, Allons dans le roi, Matthieu. Oui, le Matthieu, roi. Matthieu, oui. Tu m'as dit que Jésus-Christ, ton Dieu, il connaît toutes choses. Oui, il connaît Allons toutes dans la choses. Bible. Ouvre ta Bible, tu me lis Matthieu 24, verset 36, s'il te plaît. Oui. On dit ceci.
Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne C'est ne qui le parle? sait. D'abord, c'est qui parle? C'est Jésus qui parle. C'est ton Dieu qui parle, non? Oui. Ok, Il dit, je t'écoute. personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. D'accord. Est-ce qu'il connaît toutes choses? Oui, il connaît toutes choses. Pourquoi il a dit qu'il ne connaît pas toutes choses? Non, non, il n'a pas Ni... dit qu'il ne connaît pas toutes choses. Mais il Il n'a dit pas dit ni ça. les anges. Oui. Attends, il dit ni les anges, Oui. ni le Fils. Le Fils, c'est qui? Le Fils, c'est Jésus lui-même qui s'est humilié. Et le Bon. Père, c'est toujours lui. Le Bon, Père, c'est je ne toujours parle pas lui. de ça. Le roi, allons-y Oh, attends. doucement. Il ne faut pas couper le verset. Le verset dit que le Père seul connaît tout, toutes choses. Maintenant, et puis ça, c'est une parabole. Lorsqu'il dit que le Fils, il Le parle roi. comme parabole. Le roi. Oui. Jésus dit en tant que fils, alors qu'il est Dieu, il dit que ni les anges dans les cieux, ni le fils. Le Père seul connaît. Lui, il est le Fils. Est-ce que ce qu'il a dit, c'est la vérité ou c'est le mensonge? Oui, c'est la vérité. Il ne connaît pas. Il connaît toutes choses. Mais pourquoi il dit qu'il ne connaît pas? Le Fils dit qu'il ne connaît pas. C'est ce que je t'ai dit. Que Jésus, il s'est rabaissé comme un homme. Il s'est fait semblable à un homme. Quand il est... Maintenant, il a dit, comme je suis semblable aux hommes, le Fils est semblable aux Est-ce que humains, quand il est semblable comme aux hommes, il est-il Dieu ou pas? il est homme. Il n'est pas C'est ça Dieu. la différence. Non, non. Lorsque Jésus était venu sur la terre, il était venu comme un simple homme. Mais est-ce que quand il est sur la terre, est-ce qu'il était homme ou bien il était Dieu? Il était homme. Ah, il était Écoutez. homme, il était... Bon, voilà, je comprends maintenant. Pourquoi Attends. tu dis alors qu'il est Dieu? Attends. Attends, je vais t'expliquer. Moi, je ne parle pas je ne parle pas de moi-même. Je te montre les Écritures. Ça c'est dans Philippiens au chapitre 2. Philippiens au chapitre 2, au verset 7, on dit, il s'est Le roi. dépouillé en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, Le et il a roi. paru comme un simple homme. Jésus était un simple homme, il a paru comme un simple homme, et il parlait aux hommes que nous, les hommes, nous ne connaissons pas toutes choses, puisqu'il s'est dépouillé. OK, le roi, Jésus-Christ en tant qu'homme ne sait pas quand est-ce que le monde finit, non? Oui. D'accord. Est-ce que Dieu est un homme? Dieu est un homme. Dieu Ou n'est comme pas un homme? homme. Dieu n'est pas un Est-ce homme. que Dieu est fils d'un homme? Non. Alors pourquoi tu dis Jésus-Christ est Dieu, le roi? Ah, ok. Jésus-Christ était un homme. Ok. Et maintenant, est-ce que Dieu peut devenir un homme? J'ai pas dit ça là. J'ai dit. Comme Dieu n'est pas un homme, pourquoi tu dis Jésus-Christ est Dieu alors que Jésus-Christ est un homme? Je te rétorque. Il y a une différence entre devenir homme et être homme. Dieu est devenu homme. La parole s'est fait chair. La parole est devenue un homme. La parole devint un homme. Dieu n'est pas homme, Mais mais Jésus-Christ est un homme. la Bible dit que Dieu est devenu homme. Habacuc 1, le verset 12. Dieu n'est pas un homme ni fils d'un homme. C'est ce que je t'ai dit. Tu as renforcé ce que je t'ai dit. J'ai dit que Dieu peut devenir homme. Et même Allah peut devenir aussi homme. C'est écrit dans le Coran. Rentrons pas dans le courant. Maintenant, Non, le non, non. roi, Attends. Si on parle avec un... moi, je suis Si je... satisfait de mes questions. Est-ce que tu sais que dans le Coran, Allah est un homme? Si Allah est un homme dans le Coran, tu me montres le verset, je me tue. Ok, je vais te montrer le verset. Tu commences à bien parler. Sourate 68 au verset 42. Ah, ça, c'est le verset que j'aime beaucoup, hein?
Sourate 68, au verset 42. Al-Kalam. Je te montre que Allah est un nom. Et il y a beaucoup de Sourate 68, au verset. Au verset, Sourate 68, verset 42. Al-Kalam. Ah, ça, c'est bon, ça. J'aime faire ça. Ça, c'est ma vie. Là, nous sommes dans Sourate 68, au verset 42. Je suis en train d'ouvrir. J'ai un très bon Coran ici. Puisque la plupart de vos Corans que vous utilisez, là, on a mal interprété ce verset. Alléluia. Non, il y a plusieurs Corans. Plusieurs Corans, ne t'en fais pas. Il y a plusieurs Corans arabes. Il y a plusieurs Corans arabes. Sourate 68, verset 42. Al-Kalam, 42. Il y a plusieurs Corans. Il y a plusieurs Corans. Oui, il y a plusieurs Corans. Il y a beaucoup de Corans. Je vais te montrer ça tout de suite, si tu veux. Tu peux me montrer. Ah, ok. Attends, je vais te montrer. Je vais te montrer. Il y a plusieurs Corans. On va revenir à ce. Je vais te montrer ça. Il y a plusieurs versions de Coran. Peut-être c'est vous là, dans votre pays, que vous n'avez pas ça, que vous n'avez pas ces versions de Coran. Mais nous, ici, nous en avons. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de versions de Coran ici. Il y a beaucoup de versions de Coran que nous avons ici. Ici. Attends, je vais te projeter ça. Il y a plusieurs versions de Coran. Je vais te montrer ça. D'ailleurs, là où dans ton pays, là, la France, là, tu peux avoir ça très facilement. Hein? C'est très facile d'avoir ces versions-là. Écoutez, ici, nous avons 24 versions de Coran en arabe. Là, ce sont des versions de Coran en arabe. Il ne faut pas dire, oh, c'est français, on a interprété. Tu dis quoi? 24 versions de Coran. Et puis, ce sont des versions arabes. Attends, je vais zoomer ça. Aïe. Bon, le roi, ce qu'on va faire. Le zoom ne fonctionne pas bien. Ah, allô? Attends, allô? Je vais te montrer ça. Allô? Oui, attends. Il y a il y a le Hafs, il y a le Rachid Khalifa. Il y a beaucoup de Corans qui sont différents. Il y a beaucoup de Corans. Ce qu'on va faire. Attends. C'est pas la peine de discuter trop avec toi. Ça, c'est le Warsh Coran. J'ai dit, c'est pas la peine trop de discuter avec toi. Oui. Donc, ce qu'on va faire, chacun met pour son péché. La Bible dit et le Coran déclare également. Donc, oui. Je pense que on a fait nos mieux. Si tu veux rester chrétien, adorer le créateur au lieu d'adorer le créateur, toi tu préfères adorer la créature. Bon, moi je te laisse dans cette croyance, et du coup moi je vais rester à adorer celui qui a formé le corps de Jésus. Donc à cela, moi je peux te dire merci beaucoup. Et donc tu vas continuer à adorer la pierre noire de la Kaaba. La pierre noire de la Kaaba, aucun musulman n'adore la pierre noire de la Kaaba. Allah s'appelle pas pierre noire de la Kaaba. Non, Allah attention. Allah, tout simplement. Attention. Mais vous courbez chaque jour en direction de la pierre de la Kaaba. Mais on fait quoi?
vous courbez, vous vous prosternez chaque jour en direction de Kaaba, chaque jour. Ça veut dire qu'on adore la Kaaba. Oui, c'est adoré. Bon. Bon, je te dirais tout de suite qu'on n'adore pas la Kaaba, on adore Allah. C'est comme si moi je Ah, te dis malhonnêtement, écoute-moi, oui. c'est comme si moi je te dis malhonnêtement que vous adorez l'église. Parce que quand vous partez à l'église, c'est tout le temps vous partez à l'église pour prier. Vous n'adorez pas l'église, vous adorez Jésus-Christ. Donc, les manières de parler comme ça, tu peux le faire, c'est ton choix. Mais si tu dis on adore Kaaba et que nous te disons qu'on n'adore pas Kaaba, qu'on adore Allah, si tu n'es pas obligé de croire, il n'y a pas de problème. Mais moi et tous les musulmans savent qu'on adore Allah. Tu vois? Mais En comment fait, est-ce qu'on dit que... ton problème, tu veux pas savoir. Donc, quand tu as cette mentalité, c'est pas facile de te faire comprendre, quoi. Parce que tu n'as pas envie de savoir. Alors Non, là, non, c'est ça qui est non. le problème. Attends, c'est peut-être c'est ta manière d'expliquer. Mais maintenant, comment est-ce qu'on dit que comment est-ce qu'on dit que la pierre noire enlève les péchés? Si tu touches la pierre noire, C'est ça enlève écrit les péchés. où? C'est écrit où? Ils ont dit là, c'est écrit où? Ah, donc c'est dans le Hadith. Les hadiths là, je t'ai dit que quand tu discutes avec moi, tu parles le Coran. Il faut pas me parler des hadiths. Moi, la parole de mon Dieu, c'est le Coran. C'est écrit où dans le Coran que la pierre noire Donc, enlève les péchés? toi, tu ne touches pas, toi, tu ne pratiques pas la sunna, tu ne crois pas la sunna. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, la sunna est la parole des êtres humains. Le Coran est la parole de mon Dieu. C'est écrit où dans la parole de mon Dieu que nous, on adore, ou bien la pierre noire enlève les péchés. C'est écrit où? Non, non, moi, je te demande. Vous ne dites, lorsque vous parlez aux gens, vous dites que vous êtes musulman. Et en tant que musulman, vous pratiquez la sunna et vous lisez le Coran. Donc, le Coran est la sunna. À moins que vous ne fouillez de vos hadiths. Vos hadiths sont clairs. Vos hadiths ont très bien dit que vous pratiquez la sunna. Dans la sunna de Mohammed, Le roi, tu veux que je oui. te parle de façon honnête ou tu veux qu'on continue de parler comme des enfants? J'ai dit une dernière Oui. fois, moi qui est devant toi en tant que Mohamed Diarra, musulman qui est en face de toi, moi je Oui. crois à la parole de mon Dieu. Et cette parole se trouve où? Dans le Coran. Est-ce que tu comprends cela d'abord? Allô? Non, non, attention, mon frère, Non, attention. tu comprends. Si tu comprends pas ça, il n'y a pas de problème, mais je veux Non, savoir non, d'abord. Tu comprends ou tu comprends pas? non. J'ai entendu ce que tu Non, as non, non, dit. non, 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 Mais c'est pas ma est-ce que tu question. Ça n'est prédis pas ma que de la question. sunna? Pas ma question. C'est pas ce que je veux savoir. Ce que je veux savoir, réponds à cette question. Allô? J'ai compris ce que tu as dit. Tu comprends, J'ai non? compris. Merci beaucoup. Mais Donc, comme tu comprends, attention, toi, tu ne écoute-moi, pratiques pas. j'ai pas fini. Comme tu comprends, Voilà. maintenant montre-moi ça dans le Coran que la pierre noire enlève les péchés. C'est dans quelle sourate dans le Coran? Non, moi je te dis très bien. Donc vous pratiquez ce qui n'est pas dans le Coran? Non, Hein? mais est-ce que, bon, tu m'as dit tu comprends, c'est ça ton problème. En fait, Attention, des fois, mon frère. je me vois face à un enfant, quoi. Là, des fois, tu vas me dire que tu vas à l'école demain et après demain, tu vas dire que tu vas venir en France. C'est pas bien. Est-ce que tu m'as dit, tu comprends ce que j'ai dit? J'ai dit une dernière fois, je vais plus parler de ce sujet. Tu dis, on dit. J'ai dit, on dit que on a la pierre noire enlève le péché. Tu dis, on dit ça. On l'a. C'est où? C'est écrit où? Tu dis, ça C'est est dans les Mohamed. hadiths. C'est C'est dans les Mohamed qui a hadiths. dit ça. C'est Mohammed qui a dit ça où? Dans Oui, le oui. Coran ou dans le Coran? Est-ce que Mohamed a parlé dans le Coran? Non, mais si tu dis c'est Mohamed qui a dit ça, moi je dis la parole de. Donc tu veux forcément que. Tu veux quoi? Tu veux que je te dise que je comprends, je crois pas la parole de mon Dieu? Ou bien tu n'es pas sûr de ce que tu dis? Ou bien tu fais exprès? Non, mais si tu fais exprès, ça n'a pas la peine de causer avec toi. Non, J'ai non, 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 dit, c'est mon frère, Dieu, si. c'est mon Dieu qui est plus haut que. Ou bien c'est Mohamed. Entre Dieu là et Mohamed, qui est le plus haut? Peut-être, écoutez, c'est à toi de répondre.
Moi, je ne suis pas musulman. Mais mon Pourquoi? frère, Pour moi, il ne faut pas, il ne faut pas faire écoute-moi. l'hypocrite. Pour moi, islamiquement, c'est Dieu qui est plus grand. Bibliquement, c'est Dieu qui est plus grand. Jésus-Christ a dit que le Père est plus grand que lui. Donc, Mohamed sait que Allah est plus grand que lui. Personne n'a dit que Mohamed et Allah sont égaux. Donc, si il y a une parole qui concerne à la religion musulmane, si on dit que Mohamed a dit et qu'on dit que Allah a dit, si les deux paroles sont pas cohérentes, prends la parole de Allah. Parce que c'est Allah le méga, c'est Allah le plafond, quoi. C'est le Dieu suprême. Donc moi, j'ai dit que tu me montres dans la parole de Allah là où c'est écrit, tu veux pas. Tu veux me montrer la parole de Mohammed. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok, Non, mais vas-y. mon frère, tu as quitté l'islam. Puisque dans l'islam, on a très bien dit que c'est la Kaaba, la pierre là de la Kaaba qui enlève le péché. À moins J'ai que, dit, à moins, à moins. on a dit là, est-ce que tu... Bon, on a dit là, c'est dans le courant ou c'est pas dans le courant? Je t'ai dit, c'est dans les hadiths. Hein? Donc, Je c'est pas t'ai dans dit, le c'est. courant. Mais vous nous prêchez les Non, mais hadiths. écoute-moi, si tu C'est réponds la pas à ma... sunna. Si tu réponds pas, je t'écoute plus parce que tu me respectes pas. Moi, à mon tour aussi, je te respecte pas. Et normalement, on n'est pas venu ici pour se manquer de respect. On est là pour se faire comprendre. Une dernière fois, je suis pas face à quelqu'un qui, au début, tu m'as montré que tu es un être humain qui réfléchit comme tout le monde. J'ai dit une dernière fois, tu veux que je croie à Allah ou bien tu veux forcément que je croie à ceux qui ont dit sur Mohammed? Ah, ok. Ce que moi je sais, lorsque vous nous prêchez, Voilà, lorsque ce que vous. tu sais, je vais t'écouter maintenant. Voilà. Écoutez, lorsque vous nous prêchez, vous nous dites très bien que vous nous prêchez, il faut obéir à Allah et puis obéir au messager. C'est ce qu'on vous enseigne, mon frère. Oui, Hein? bien sûr. Là, je suis très d'accord avec toi. Mais attends, j'ai dit que on dit que Mohammed a dit, alors que Mohammed est l'envoyé de Allah. Est-ce que si Mohamed a dit là, est-ce que la parole de Allah aussi, on peut fouiller là-bas ou tu veux pas qu'on fouille là-bas? Mohamed a dit qu'il faut croire à Allah. Allah a dit dans le Coran qu'il faut croire à Allah. Mohamed a dit que c'est Allah qui est le Dieu créateur et des cieux de la terre. Allah a dit dans le Coran qu'il est vraiment le créateur des cieux et de la terre. Mohamed a dit qu'il faut prier. Allah a dit dans le Coran qu'il faut qu'on prie. Maintenant, s'il y a une chose ou une parole qui est dit, que Mohamed a dit et qui n'est pas dans le courant, tu veux que je croie à ça? Mon frère, maintenant, non, il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire à ce qui s'oppose aux enseignements de ce qui est écrit dans le Coran. Ça, c'est ce que je sais. Bon, Normalement, c'est ce qui est normal. donc ce que moi je t'ai dit pour conclusion, il n'y a pas de problème. Moi, je vais rester musulman. J'aimerais bien que tu restes aussi musulman, mais tu veux rester chrétien, c'est ton droit. Donc, Non, non, quand non, on non. meurt, Maintenant, quand on, moi et toi. attends mon frère, il faut me gagner, explique-moi ce hadith ici de Jami Tirmidhi, numéro 961. Il dit ceci, Ibn Abbas a rapporté, le Non, mais messager attends, d'Allah c'est a dit quoi à Adi? propos de la pierre noire Attends que d'abord, avant Mohammed, de il a lire ça. dit, il a dit Attends par d'abord, Allah, attends, il a écoute, juré que avant de lire. Allah le verra le jour de la résurrection, au jour du jugement, avec deux yeux par lesquels elle voit. Donc, il dit que la pierre noire aura deux yeux le jour du jugement et elle aura une langue avec laquelle elle parlera. Elle va témoigner à celui qui l'a touchée en vérité. C'est comme toi, comme tu es musulman, tu dois toucher la pierre noire. Et le jour du jugement, c'est la pierre noire là qui va parler pour toi. C'est Muhammad qui a dit ça. C'est ça l'islam. Mon frère, c'est ça même la pureté de l'islam, mon frère. Comme tu es musulman, le jour du jugement, c'est la pierre noire qui va parler. On dit que la pierre noire aura deux yeux. Deux yeux et une bouche, une langue avec laquelle elle va parler. Elle va témoigner. Pour celui qui l'a touché. Donc, si tu touches la pierre noire, c'est la pierre noire là qui va parler pour toi le jour Le du jugement. roi, C'est le roi, Muhammad qui a dit ça. C'est Muhammad. le roi, Ça, c'est Ibn Abbas, le cousin de le Muhammad. roi. Oui.
C'est quoi hadith? C'est quoi un hadith? Le hadith, ce sont des récits, des paroles de Muhammad qu'on a recueillies, qu'on nous a données. Puisque C'est lui, les écrits. il avait dit Écoute-moi. qu'il était messager. Écoute-moi. Écoute. Il était C'est les prophète. Maintenant, écrits. Écoute-moi il faut seulement. obéir. Écoute-moi. C'est les écrits sur Mohammed. Ou bien c'est Mohammed qui les a écrits. Ce sont les écrits sur Muhammad, les écrits de ce compagnon, les compagnons de Muhammad. Voilà. Tu Bon, comprends? maintenant, OK, maintenant, je comprends. Maintenant, toi, tu veux que on prend la parole de ceux qui a envoyé Mohammed, ou bien tu veux qu'on prend la parole de ceux qui ont la parole des accompagnateurs de Mohammed? Mais attention, le Coran, c'est aussi un hadith. Bon, merci beaucoup. À plus, le Attends, revoir. mon frère. Attends, mon frère. Il ne faut pas fuir. Il ne faut pas fuir. Le Coran, c'est un hadith. C'est écrit dans le Coran que le C'est ce Coran que je lui-même t'ai dit est un là. hadith. Tu me ouvres le courant pour qu'on discute. Sinon, si tu me ouvres la 10, ce n'est pas la peine de discuter avec toi. Donc, tu fais le choix. Non, non, écoutez, écoutez. Toi, si tu ne crois plus aux hadiths, alors tu as quitté l'islam, tu n'es plus musulman. Mais tu veux pas ouvrir le courant, pourquoi? Mais j'étais dans le Coran, c'est toi qui m'as induit même Non, de mais venir moi, je ici. t'ai dit que le courant, c'est le livre de mon foi. Mais c'est la parole de mon Dieu. Tu fermes ça, tu me montres la parole des hadiths. J'ai pas dit que je crois à hadiths, j'ai pas dit que je crois pas à hadiths. C'est toi qui me montres hadiths. Je vais te montrer le Maintenant, Coran là où. On a écrit que tu m'as montré le le Coran. courant, non? Tu Je te crois montre. ce qui est écrit dans le courant, non? Le Coran dit que le Coran, c'est un hadith. Chapitre 39, verset 23, on dit que le Coran est un hadith. C'est écrit là-bas. Le mot hadith est là. On dit que Allah a révélé le meilleur des hadiths. Adithen. On dit ceci dans la langue arabe. Je vais te lire ça dans la langue arabe. Hein? On dit que le Coran, c'est un hadith. Maintenant, si toi, tu ne crois pas aux hadiths, alors tu ne crois pas même au Coran. C'est écrit Qui là. t'a dit que je ne crois pas aux hadiths? Ah, mon frère, c'est toi qui as dit que tu ne crois pas aux hadiths, tu crois seulement au Coran. Mais je te montre que même dans le Coran, on dit que le Coran Bon, il n'y a pas de lui-même, problème. on Il n'y a dit pas de problème. Si tu écoutes Allah, bien, si tu écoutes Nazala, bien la vidéo. Adition, Kitab. Addition, Kitab. Donc, le Coran, c'est aussi un hadith. Ah, le frère est parti. On était en train de débattre, mais le frère est parti. Hein, puisque moi, je suis un enseignant, c'est la deuxième fois qu'il part. Il coupe et il fuit. Puisque nous, nous sommes là pour enseigner les musulmans. Nous ne sommes pas nombreux sur la terre, les gens qui enseignent comme ça. Mon numéro est là. Les gens qui veulent débattre avec moi, ils peuvent me contacter au téléphone, sur WhatsApp pour qu'on puisse débattre avec eux. Mais comme lui n'est pas là, je ne peux plus continuer à dire des choses que lui, s'il n'est pas là. Que le Seigneur vous bénisse. Contactez-moi. Je suis un enseignant de la parole. Un débatteur, je suis là pour montrer la vérité aux musulmans. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Je vais l'attendre. S'il revenait, on va recommencer, on va continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.